Gardez les Murlites, Bud Backflip, Spiral qui monte très haut. Il y a de la place pour en faire deux, je pense. Allez, le Chalès. Oh, récupéré, il est Stélis sur le Bud Backflip. Ça nous chauffe les mirettes, quoi. Hein, ça fait des étincelles dans les yeux. Ça fait circuler le sang. Allez, Coco sur la ligne. Du bruit pour Coco, je pense qu'on peut l'encourager bien fort. Ouais. Avec ce... la sichesse sur le nom. Un barali. Candy Flip. Le Candy Flip, je vais dire. Scandy Flip. Ah, c'est Scandy comme Sketchy Andy en fait. Je pense, hein. Ah, la surprise, genre, il fait ce qu'il va rentrer en double knee drop et en fait, bim boum, il rentre en chest. Allez, bad backflip, ça enchaîne. Quand il disait qu'il faut bien savoir tomber, il a vu qu'il est à côté de la ligne. Il a pu faire un gros placu sur le sol et peut-être assez mal de vol. Ah, mais c'est désagréable. Yes, le blender. Et maintenant toujours avec le big smile. En fait, Coco, quand elle se casse un bras, par exemple, elle continue de sourire et de se barrer, quoi. C'est une énergie folle. Elle est connectée au cosmos, cette fille. Allez, la machine. Au revoir. Qui envoie aussi l'énergie dans son corps. Et la sangle, elle le renvoie. C'est le même concept. C'est la slackline, c'est exactement ça. C'est un dialogue entre un fil. Yes, on les voit voler dans tous les sens. Faut pas oublier que c'est un exercice d'équilibre. Ils sont sur 4 cm de large de sangle. C'est vraiment pas beaucoup. Un simple décalage d'un côté peut les éjecter en avant, un décalage de l'autre, les éjecter en arrière et sortir en backflip. Donc voilà, c'est des équilibristes avant tout. Et d'ailleurs, je pense qu'un jumper confirmé doit être aussi un bon slackliner, savoir slacker des distances assez grandes. Allez, Coco qui va nous faire un florilège de figures statiques avec un super montée de jarre. Un split, comme on dit. Comme elle a un pantalon jaune, ça fait un banana split. Allez, c'est ça. Allez, Boucheron! Je pouvais aller plus haut que Mickey, alors je sais pas ce qu'il a prévu de faire. Mais en fait, le concept, c'est plus vous faites de bruit et plus ils vont haut. Ça marche très bien, c'est très bien. Voilà. Surf. Avec un surf en expo juste après. Voilà, ça jump sur les pieds, avec un petit écart, c'est très joli ça. On voit vraiment très rarement. Allez! Des figures vraiment où on rebondit sur les pieds. C'est très très courant au tout. Allez! Si le concurrence c'est d'avant. Joli mon gars. Sur le run, on a 44 secondes restantes pour Coco et 24 secondes restantes pour Nathan. Frontalité, improvisation. Et là on approche des quarts de finale, hein, c'est qualification pour les demi.
c'est aussi une chance de remporter du prix. Allez, hop, tout lâcher. Même si on a la pensée cassée. Le premier tour, la machine, 500 euros. Le deuxième avec 200 et le troisième avec 100. Et on a aussi un prize money pour les filles déjà remporté par Coco qui est 200 euros. Voilà, comme je disais tout à l'heure, pour les slackline, les jumpline, quand on en fait beaucoup, il faut les changer de temps en temps. Ah de... Allez, aïe, 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 le coup de Netflix. Il était nickel au niveau du rythme, mais il va plaquer un peu trop sur le côté. Allez, ça va se battre au double. Bataille au double. Faire la machine, il faut d'abord être solide, c'est important. Attention là, ça commence à devenir électrique là sur cette plage du Outdoor Mix Festival. Allez! Électrique, je pense que les deux là sont taquets de chez taquets. Ils donnent vraiment le meilleur. Est-ce que nous aussi on pourrait leur donner le meilleur s'il vous plaît? Allez, Outdoor Mix Festival! Allez! Oh yes, I! Allez, ça monte très haut. Il s'est décalé un petit peu pour aller chercher plus de tension sur le côté de la. Ah non, non, non. Ah, yeah, yeah. Le double backflip, c'est censé retomber en chest ça? Peut-être, on ne sait pas. Allez Coco, avec ses 180 backflip. Voilà, elle s'en met dans le rythme, superbe. Allez, chest to chest, le mojo speed. Et donc là, on est fini au niveau du chrono. Bravo! Bravo à elle, bravo Coco maintenant. Il restera 10 secondes à l'attente pour marquer les points. Je vous rappelle que c'est en additionnant le score. Allez, maintenant! Allez! Sommet du massif de l'écran, Alors je pense que c'est le premier. Est-ce que quelqu'un parmi les jumpers ont déjà vu ça? Yann, do you know people who get the double backflip? Yes. Bon, premier français, on peut dire? Premier welcome. Nathan, tu seras le premier français à envoyer ce fion en compétition, je pense. Deuxième? Ah, il y a déjà Louis. Louis qui l'a envoyé, Louis Boniface, qui a été notre deuxième champion de France. Mais vous êtes pas. Bah, je suis censé avoir des conseillers en culture jumpline, ils me racontent vraiment de la wax, ces enfoirés. Ouais, alors Liel, il est suisse et ou alpin, mais ses parents ont grandi en Cuba. On le valide. Voilà, je vous ai dit que c'est cette jump line. Non, mais c'est eux qui pourront dire n'importe quoi, Liel. Allez, machine. A été installé vraiment sur. Allez, je vais arrêter de dire des bêtises et. Messieurs, dames, tiens, vous êtes de plus en plus nombreux, tous avec les lunettes de soleil qui reflètent, chapeau sur la tête, crème solaire, encore une fois, papa slack dans la place. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez kiffé le run? Vous êtes contents? On un français, une française sur le roi du pâté, là, qui sont vraiment pas loin de la scène internationale.
Je vais dire immédiatement qui a gagné cette manche. Et il s'agit de Nathan qui passe en quart de finale. Passe en demi-finale, pardon. Coco, bravo, t'es allé, monsieur Jocard.